Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit unboxing. Donc il s'agit d'un nouveau loisir. C'était pas du tout présent sur ma chaîne et sur les chaînes de d'autres personnes qui font du DP et tout ça. Je pense pas. Non, il y en a pas. Il y en a pas, donc c'est nouveau. C'est pas nouveau pour moi, mais c'est nouveau peut-être pour vous. Donc je vais ouvrir. Donc c'est arrivé. Que je vous dise, c'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 20, le 20 mai, et je l'ai commandé le 10 mai. Donc c'était livraison en 10 jours. Là, on respecte. C'est super. Donc c'est super bien emballé. C'est nickel. Nickel, nickel. Ça fait plaisir de recevoir des colis comme ça. Donc je cherche où est-ce que je vais l'ouvrir. Vous allez me dire, ah, vous ne connaissez pas. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez plus de toute façon, si vous voulez plus d'informations. Mais ça, je pense le débuter très rapidement, ce nouveau loisir avec vous. Alors. Donc c'est enveloppé dans du papier bulle. Donc comme ça, j'arrive à le sortir. Bon. Je ne veux pas couper l'emballage du bazar. Voilà, ça se présente comme ça, dans une petite chemise en plastique. Une petite valisette, voilà. Donc nous avons un crochet avec un crochet qui s'ouvre et qui se ferme. Donc ça va être l'outil de base de notre c'est l'accessoire principal du loisir, on va dire ça. Donc dedans nous avons des fils de laine. Voilà, ce sont des fils. Voyez, ça c'est la couleur rouge. Donc il y en a pas mal. Donc nous avons, voilà, ceci. Je sais pas si vous allez voir. C'est une housse de coussin. Vous avez des tapis, vous avez des housses de coussin. Et ça représente, ben là ça représente, vous avez vu, ça représente Mario. Et on va venir placer ici, là, sur sur le, comment on appelle ça, sur le quadrillage, la couleur qui correspond. Donc c'est la housse, elle est assez grande, je sais pas comment elle fait, je vais vous mettre. Donc là où ça les carrés, hein, elle fait. Elle mesure 41 cm. Donc c'est carré, donc ça fait 41 sur 41. Donc ça, voilà. Et avec, donc nous avons. Voilà. Ça se présente comme ceci. Je vous rapproche. Donc là, il vous explique comment faire. Et là, c'est pour se repérer en fait. Donc le A, la couleur A, c'est le rouge. Il y a 12. Il y en a 12 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Le B, c'est quoi? C'est le beige. Le beige? Ils disent que j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Le C. C'est le jaune. J'en ai qu'un. Ok. Le D, c'est quoi? Numéro 23. Mais il n'y a pas de numéro là-dessus. Hein. J'en ai un. C'est un bleu clair. Le E, c'est un bleu foncé. J'en ai un. Le F, c'est du marron. J'en ai
un. Le G, c'est du blanc. J'en ai deux. Ok. Et le H, c'est du noir. J'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, tout est là. Voilà. Vous voyez les couleurs. Il y en a un qui s'est sauvé. Alors, ah bon, ça fait 43 par 43. Donc là, je vous explique comment faire. Donc ça s'appelle du latch hooking. Latch hook kits. Kits. Mais c'est du. C'est du crochet au point noué. Voilà, en français, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, vous allez placer. En fait, c'est tout simple. On fera la vidéo ensemble. Vous avez plein de supports. Vous n'avez pas que les housses de coussin. Vous avez des tapis. Et il me semble qu'il y a aussi pour faire comme des toiles en diamond painting. Donc, je vous mettrai le lien du vendeur. Donc, je l'ai payé 13,44 €. Et le vendeur, c'est ReDIY Lay DIY Store. Donc, c'est venu avec colis privé. Donc, ça a mis 10 jours. C'est livraison sous 10 jours. Et ça a vraiment mis 10 jours. Après, vous installez votre coussin, votre oreiller, votre... je sais pas quoi. Moi, j'aime bien. Et ça, voilà, après, ça peut vous donner une idée. Ça, vous le gardez. Vous achetez une toile vierge pour le DP. Et... vous en servez pour faire votre DP, pour faire un DP Mario, ça peut être une bonne idée. Donc là il y a 70 cases sur 70, c'est un carré, bah oui. Donc là chaque voilà, vous reprenez ça, ça peut être une alternative pour utiliser tous nos restes de diamants. Donc là c'est des faire des diamants en carré, ou je sais pas si ça existe les toiles vierges pour DP en rond. C'est bon, peut-être. Et voilà. Donc ça peut être aussi une idée. Donc moi je vous dis, j'espère que, bah, que c'est une découverte pour vous. Hein, la toile Mario. Si je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, c'est Mario. Et c'est franchement, c'est bien présenté. Après, vous remettez tout dedans, vous restez. Moi j'avais commencé un. Ah, comment on appelle ça? Un tapis, mais j'étais en rupture de fil. Donc là, je sais que je vais pouvoir en recommander. Donc là. Allez, ciao!